nous sommes une exploitation cidricole. On transforme la pomme à cidre dans différents produits. Le cidre, les jus, les apéritifs et les eaux-de-vie. Nous transformons nos propres pommes. Nous sommes aussi en agriculture biologique, donc ce qui nous fait moins de traitements sur les pommes et donc une meilleure hygiène de vie aussi pour nous qui traitons et pour le consommateur. Alors on produit à peu près 150 000 bouteilles de cidre par an. En cidre de glace, on fait à peu près 3000 bouteilles. Le cidre de glace, c'est un produit donc, qui est différent du cidre parce qu'il va être beaucoup plus riche en arômes, en sucre et en alcool. Alors, à l'origine, c'est un produit donc, qui vient du Canada, qui est fait à base de pommes à couteau. Nous, la spécificité ici, c'est qu'il est fait à base de nos pommes à cidre. Donc, ce sont des pommes douces, douces amères et aussi des acidulées. Le but, c'est de concentrer tous ces arômes et tous ces sucres. Donc on va prendre notre cidre de base et on va le concentrer par le froid, d'où le nom cidre de glace. Le froid, donc on va congeler des cuves et on va seulement en récupérer un quart du produit, le reste étant de l'eau. Donc ça va être concentré et donc on a notre produit final, le cidre de glace. Nous avons été médaillés d'or au Vinalize. Donc c'est un concours international qui réunit des œnologues et donc des produits qui viennent du monde entier. Et donc nous, on s'est présenté au départ juste pour avoir les commentaires sur notre cidre de glace. C'était seulement la deuxième année qu'on en faisait, et pour comparer vis-à-vis des Canadiens. À notre grande surprise, on a eu une médaille d'or. Donc voilà, on a dépassé certains Canadiens, et donc on est assez contents de nous pour avoir cette médaille.